Société pour ce premier épisode, vraiment de l'épisode 1 finalement, de ma session de jeu de Zhang Guo. Donc, on se lance immédiatement dans cette magnifique partie. Donc, on va commencer par piocher des cartes. Alors, j'avais déjà commencé parce que malheureusement, mon système vidéo avait lâché. Donc, j'ai pris deux cartes de chacun des types pour créer ma main. Et on va faire la même affaire avec l'ici. Mais ici, on doit mélanger par la suite les cartes. Donc, le plus possible. Ce qui n'est pas nécessairement évident. Donc, euh, voilà. Et on fait euh, finalement une pige euh... Mon dieu, ce que je pourrais la mettre, je commence à manquer de place. Euh, donc on va le mettre là, puis ma défaut, je vais mettre en dessous, tout simplement. Euh, ça ne sera pas plus grave que ça, donc je forme ça de cette façon-là. Et là, on joue des cartes. En ce qui concerne l'ici, on doit tourner une carte d'action et faire qu'est-ce qui se retrouve dessus. Alors ici, tout simplement, on a le fait qu'il va construire un palais. Donc, je dois prendre essentiellement un palais et à commencer par la région de Yann, tout simplement. C'est ça qu'on dit ici. Donc, je dois le placer dans la région de Yann. Il fait 6 points de victoire automatiquement. Alors, lui, il n'a pas à dépenser d'ouvrier ou quoi que ce soit du même genre. Et il va prendre la tuile, la tuile ici, et la mettre dans la bonne région tout simplement de son board. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il qu qu a fait comme action? Donc, là, je vais mettre la carte tout juste en dessous pour signifier la défausse. Alors, c'est à mon tour. Alors, j'ai une série de cartes entre les mains que je peux soit placer euh, ici dans une de mes régions ou tout simplement jouer dans la cour de l'empereur. Euh, c'est... Toujours une bonne chose de placer déjà des cartes dans nos régions. Euh, on va le dire. Hum, ça, c'est pas. Euh... Ce qui serait très ce qui serait plutôt intéressant, ça serait celle-là. Donc, je vais placer celle-là à Chu. Tiens. Donc, vu que je place une carte écriture, je me fais un jeton. Un jeton d'unification d'écriture, tout simplement. Et ça s'arrête là. Euh, donc c'est à son tour. On tourne la carte. Et donc si on regarde la carte ici, euh, donc il joue une carte justement dans une des régions. Et il va jouer la région qui est en cours, euh, qui est la, 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 la plus susceptible d'y apporter des points durant la manche. Donc c'est Chu. Et donc il va placer la carte dans la région de chu. Euh, on va la placer en dessous. Et donc, je prends la première carte du paquet tout simplement ici sur le dessus et je la place sous chu. Et il fait bien sûr les, euh, le jeton d'unification de monnaie qui vient avec, tout simplement. Donc, lui, il a déjà placé une carte. Alors, à mon tour. Hmm. <coughs> je vais aller jouer à la cour de l'empereur. Donc, la carte elle vaut 61. Et là, la particularité, c'est que la première carte qu'on place vaut autant pour plus bas que plus haut, tel qu'expliqué dans le dernier épisode. Donc, je vais aller faire une, euh, un, euh, une, une action d'officiel. Qui va faire en sorte que je vais placer un architecte dans la région de Wii et là par la suite je peux déplacer un de mes officiels d'une région bon, c'est ça je vais déplacer un général ici et là, vu que j'ai fait un officiel ici, donc je pourrais baisser dans la région de Chu une, euh, mon euh, jeton d'agitation de 1, mais il est déjà à 0 de toute façon. Alors, ça ne change absolument rien de ce côté. Alors, ça va être le tour de notre cher ami Lissi. Alors, ce coup-ci, il va faire un palais. Et il le fait dans la région toujours de Chu, donc parce que c'est la première qui arrive dans la liste. Euh, donc, lorsqu'il va faire son palais, donc il fait un palais dans la région de Chu ici. Il va prendre bien sûr le jeton qui vient ici. Il va faire ses 6 points de victoire. Donc il est rendu à 12. Et il prend un des jetons euh, d'unification qui vaut 2. Alors, on y va dans l'ordre. Donc, si, le, si celui d'écriture n'était pas là, on prend, on prend celui de monnaie. Si celui de monnaie n'était pas là, on prend celui de loi. Donc, ça va prendre celui d'écriture qu'il rajoute dans sa réserve, tout simplement. Alors, cette carte-là, on va la placer en dessous. Puis même là, la défaut, je pense que je vais la placer hors champ. Ce qui n'est pas si grave que ça quand on y pense. Donc là, il y a déjà deux palettes fait, lui. Ça va pas bien pour euh, votre cher. Euh, ok, alors, euh, je vais placer ça ici. Ouais, je vais placer ça ici. Je vais me faire un jeton d'identification de loi. Et c'est à son tour. Alors, à son tour, alors, euh, il fait avancer son bateau de 1. Donc, euh, les indications qui sont en dessous nous indiquent quest ce qu'il va faire euh, s'il dépasse euh, des, euh, des icônes. Mais là, ce n'est pas le cas essentiellement. Donc, c'est à mon tour. OK, donc, on va aller faire ça. Hmm. On va jouer le 72. Je m'en vais faire les ouvriers qui sont là. Je peux juste placer des ouvriers là où il y a des généraux. Donc, je place deux ouvriers. Ah oui, juste ici. En faisant ça, ça fait augmenter de 1 l'agitation ici. Donc, lorsque je fais cette action. Ah oui, c'est vrai, je peux dé déplacer euh, un général. Donc, je vais déplacer ce général là juste ici. Et euh, je peux faire l'action de la carte ici, vu que j'ai fait l'action de cours pour aller chercher des ouvriers. Là, je me fais euh, un euh, jeton d'écriture et un jeton de monnaie. Mais en contrepartie, mon agitation augmente de 1 dans cette région-là également. Donc, c'est à ici. Alors, ici, il va faire un gouverneur, tout simplement. Donc, il va le faire premièrement dans la région de Yann. Donc, il euh, prend un petit gouverneur, place ça dans la région de Yann. Et il le place comme indiqué, tout simplement. Donc, il le place sur celui-là, juste ici. Et là, qu'est-ce qui est très important? C'est qu'il va toujours essayer ess de, 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 de faire en sorte qu'il va remplir... Euh, un prérequis de, de la mausolée. Donc euh, comme là, Ayan, en tant que tel, il a un palais, un gouverneur, il va remplir celle-là. Et donc, à la fin euh, du, euh, de, de, de la phase B, jouer des cartes, il va euh, pouvoir prendre un de ses soldats de pierre et le placer sur le 5, puisqu'il est le premier joueur. Donc, c'est à moi. Euh, faire un palais, c'est dépenser ça. Il faut avoir un architecte. Faut que je déplace un... Ok, non. Il me manque... Euh... Ah, il me manque des ouvriers. Hmm. Vous allez me chercher des ouvriers. Donc, je m'en vais chercher deux ouvriers. Je les place à Zao. Ça fait augmenter ça de 1. En même temps, ici, je peux me faire deux pour faire augmenter ça de 1. Donc, ce n'est pas une obligation. Par contre, je vais le faire. C'est vrai, je vais déplacer mon architecte ici parce que là, je pouvais. Euh, donc, je me fais ça et ça. OK. Excellent. Donc là, en ce moment, euh, à partir de maintenant, tant aussi longtemps qu'il est à trop d'agitation, je ne peux plus activer l'action la, euh, bonus que j'ai ici si je fais bien sûr le prérequis euh, juste avant. Et là là, OK. Ok, bon, mais ben c'est à lui finalement. Donc, il va placer une carte. Donc, HU en premier. Malgré, oui, c'est ça. Donc, HU vu qu'il est... Ait... Ok, donc je vais juste vous expliquer une petite affaire. Lorsqu'on a la suite logique avec un point d'interrogation, c'est qu'il va toujours y aller avec l'avantage qu'il a sur la piste d'unification ici. Comme ici, c'est simplement chu. Donc, il va essayer tout simplement de mettre une carte à cet endroit-là. C'est ça que ça veut dire. Donc, il prend essentiellement sa carte et la met dans la région de chu, juste ici. Il se fait un jeton de loi. Et voilà. OK. Et moi, je joue ma dernière carte. Je vais euh, me construire un palais. Et là, vu que j'ai mis une 26 et 94, donc je ne pourrais pas faire les actions qui sont là en construisant un palais si j'en avais une. Mais donc, là, je ai pas. Donc, ça ne change absolument rien. Donc, je me fais un palais ici. Donc, j'enlève deux ouvriers à ZAO. Plus un à ah oui, parce que c'est ça que ça, ça doit prendre. Euh, je le fais ici à ZAO. Je m'en vais chercher cet avantage-là que je mets à Zao. Essentiellement. Et euh, je me fais 6 points de victoire. Et je peux prendre un de ces, euh, ces trucs-là, finalement. Euh, je vais aller chercher lui il y a ça. Je vais aller chercher celui-là. Parfait. Excellent. Donc, euh, on, euh, donc, on a joué le même nombre d'actions. Moi, j'ai plus de cartes. J'étais deuxième joueur. Et donc, euh, la manche, de, ben, pas la manche, mais la phase de jouer des cartes vient de se terminer. Là maintenant, essentiellement, qu'est-ce qui me reste à faire, c'est qu'on doit placer, si on a les prérequis, on doit placer les, euh, les, les soldats de les. les bon, non, je vais finir par le dire, les soldats de, de terre cuite. Donc, en commençant par lui, lui, il remplissait le yan ici. Donc, il va se faire 5 points de victoire tout juste ici. Oh, il est rendu à 17. Moi, je remplis pas, malheureusement. Est-ce que lui il en remplit un deuxième Ça me surprendrait bien gros. La seule place qu'il pourrait remplir, c'est à Chu. Et à Chu, ça prend un palais puis deux gouverneurs, ce qui n'est pas le cas dans, son, euh, dans, dans cette manche-là. Ensuite, on y va avec la récompense d'unification. Donc, lui, il dépense toujours tout au complet. Alors, on commence par la piste d'écriture. Lui, il met deux, essentiellement. Lui, il met deux et moi, je vais mettre trois. j'en ai trois. Donc, je vais mettre trois. Ce qui fait en sorte que je gagne l'avantage que là. Et je me fais un officiel dans euh, la région de Chu. Alors, on va y aller avec un architecte. Donc, ensuite, on passe à la piste du commerce. Donc, lui, il met un. Et moi, je vais mettre deux, parce que j'avais deux. Et ce faisant, je gagne encore celle-là et je mets deux généraux sur Chu. Donc, je suis rendu à trois généraux dans la région de Chu. Et on arrive pour la piste finalement des lois. Lui, il met une loi. Moi, je vais en mettre deux. Donc, mon jeton qui est ici. Donc, celle-là, je la gagne également, essentiellement. Et je me mets deux architectes à CHU. Donc, là, on s'entend. J'ai quand même beaucoup de monde, beaucoup d'officiels dans la région de CHU que je vais pouvoir déplacer à ma guise un peu plus tard. Essentiellement, on a fait le tour pour l'instant. Est-ce euh, que j'ai oublié quelque chose? Donc, on fait ça, on fait ça. Donc, on doit les replacer. Donc, lui, il reste là. Moi, je m'en vais à la deuxième position. Euh. Ensuite, on pourrait échanger trois jetons d'unification pour placer un Osada de terre cuite dans l'entrée dans de la mausolée, mais il n'y a personne qui peut le faire. Ensuite, on doit se débarrasser de ceux qui vaut deux si on ne s'en était pas débarrassé. Puis, on doit avoir un maximum de cinq jetons euh, d'unification. Et on tasse tout simplement notre jeton de manche pour signifier que nous avons terminé cette. Manche tout simplement. Donc ça va plutôt bien, on va le dire, on va le dire, ça va plutôt bien. Donc avant de commencer cette deuxième manche, on va prendre une petite gorgée et on continue. Donc on y va pour piocher des cartes. Et là la particularité, c'est que j'ai beau chercher dans les règles, s'il lui reste des cartes, il lui reste des cartes, mais on en rajoute dans le paquet. Simplement. Donc, il rajoute deux blanches, deux d'écriture, deux de monnaie, deux de loi. On mélange tout ça. Donc, on va essayer de mélanger ça le plus efficacement possible. On s'entend. Ok, ça c'est mélangé. Ensuite, moi, je vais faire la même affaire. Je me prends deux écritures, deux monnaies et deux lois. Moi, je les mélange pas parce que je peux jouer la carte de mon choix. On s'entend. Et là, on est rendu à jouer des cartes. Donc, c'est toujours lui en premier. Alors, il va faire sa prochaine action. Alors, sa prochaine action, c'est de faire une muraille. Donc, il va toujours commencer par celui-là. Donc, euh, il commence par une muraille là. Il va toujours commencer par faire le 1, ensuite le 2, ensuite le 3, s'il y a encore de l'espace. Donc, je prends une muraille. Je place ça sur l'espace 1 ici. Tout simplement. Il n'y a pas de point. Non, il y a pas de point en tant que tel. Par contre, il prend ça ici. Euh, et euh, ça ne change absolument rien pour lui. On s'entend. Donc, il fait juste. à taper. il apprend dessus, lui. Non, c'est vrai, il ne l'apprend pas. Il vient de penser. Il ne la prend pas, il la laisse là. Donc, euh, il vient de, de, de construire une muraille, puis euh, la muraille de Chine qui commence à être construite grâce à l'ici. Alors, ça va être à mon tour. Qu'est-ce que je pourrais faire? Dans les circonstances, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, il faudrait que je me concentre un peu et que je fasse les bonnes choses. On s'entend. Hmm. Ok. Ouais. Oh mon Dieu, que j'aime pas mes cartes. Mais quand même, on va se mettre ça ici. Euh, ouais, on va se mettre ça là. Donc, euh, je me fais un jeton de monnaie. D'unification de monnaie. Oups. Excellent. Donc, euh, voilà. Donc, c'est deuxième action. Donc, avance sur la piste des élixirs de 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, le petit symbole ici, on le retrouve tout juste là. Donc, s'il y avait 0 soldat de terre cuite à cet endroit là donc on devrait en mettre un autre. Donc on passe à B. Alors euh, tout simplement euh, Il va placer euh, une carte alchimiste donc j'ai oublié de sortir les autres oh, tiens, on va les placer comme ça donc j'en prends une au hasard dans ceux qui restent tout simplement et je dois la placer sur la région qui signifie ici, donc oui. Donc, il place sa carte d'alchimiste tout juste là, tout simplement. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, ma deuxième action. On va faire, à un moment donné, que je commence à faire des points. Ça va être important. Euh... Euh... aussi sur la piste, il faudrait que j'avance à un moment donné. Qui, lui, il a pas de ressources encore. Oh là, 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 là. J'ai pas les bonnes affaires, j'ai pas les bonnes cartes, je trouve. Ça va pas bien. Puis Parmi les cartes alchimistes que j'ai... Oh, il y en a qui sont intéressantes. Bon, ok. Donc, on va mettre ça là, tu sais. Euh... On va jouer ça pour jouer l'officiel. Donc, je vais me placer un alchimiste tout juste ici. Ou, ouais, un alchimiste tout juste là. Et, 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 euh, donc je peux en déplacer un de un, donc lui va se déplacer tout juste là. Et là, en faisant l'officiel, je fais descendre celui de un là, ou encore, ce que je me demande, c'est que, est-ce que l'habileté ici euh, peut se faire sur n'importe quelle région? Donc je vais juste vérifier. Parce que ça m'intrigue. Euh, où est-ce qu'il en parle? Où est-ce qu'il en parle? Où est-ce qu'il en parle? Euh, oui, ça je le sais. Action. Bon. Effectuer une action court. Bon, tout ça. Est... Bon. Activer les capacités des cartes. Euh. Ok. Alors, le joueur peut activer la capacité des cartes situées au-dessus de son plateau personnel dont le déclencheur correspond à l'action qu'il vient d'effectuer. Ces activations sont réalisées dans l'ordre souhaité par le joueur. Euh... Ouais, ok. déclencher, pour ça, il joue une carte de valeur supérieure à la carte précédente comme indiqué sur le plateau 1. OK, puis effectue l'action construire un palais 2. C'est pas clair. Moi, je pense que c'est dans la région en tant que telle où qu on l'a placé, ou sinon, ça serait nié. Donc, on, on va y aller comme ça. Donc, ça, ça, ça fait l'effet dans la région. Donc, si, ça ne donne absolument rien de, euh, de plus. Essentiellement, ce que je peux comprendre, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Bon, ben, parfait. Donc, c'est à ici. Donc, dernière carte qu'il avait là avant de les remélanger. Donc, il place une carte. Donc, sur Oui ». Donc, il place une carte sur euh, oui. Donc, on prend la carte qui est ici, la place sur oui juste ici. Et vu que c'est la deuxième plate, carte qui place euh, à cet endroit-là, il va se faire essentiellement deux écritures. Et là, c'est à moi. Je commence à le trouver, le, à le trouver fort un peu, lui. Là. Pas sûr que j'aime ça. OK. Oh boy, j'ai mal joué un peu. Donc on va jouer ça différemment. Euh, on va aller faire ça. Donc on va aller chercher deux comme ça HU. Ouais. Je fais augmenter ça de 1. J'ai un ici qui peut se déplacer. Et euh, bon, il peut se déplacer. Puis ensuite, vu que j'ai fait les ouvriers, ça ici pour augmenter de 1, mais là je ne peux plus le faire. Que voulez-vous C'est la vie. Alors là, je remélange les cartes d'action euh, de l'ici. Puisqu'il ne me reste que la défense. On replace les cartes ici et on joue sa prochaine action. Donc sa prochaine action, c'est qu'il place une carte, puis il va la placer sur oui encore. Donc, il place une troisième carte ici à ah oui, Est ce qui va lui conférer trois 3... mo... jetons de monnaie. Ouais, ça va pas mal, mon affaire. Là. Euh... Là, s il s'agit de savoir ce que je vois pour les points de victoire ou pour les avantages qui vont être donnés grâce à ça. Je pense qu'on va y aller pour euh, ma première idée en tant que telle. Donc, euh, on va... Ok, je préfère ça, ça. On va placer cette carte-là juste ici. Me faire un. Une écriture. C'est à son tour. Donc, il va faire un gouverneur dans la province de Yann. Donc, Yann, il va se faire un gouverneur. Non, lui, il, bon, ok. Là, il faut vérifier. Là. Donc, euh, essentiellement, il ne peut pas s'affaire là pour la simple et bonne raison. Qu'il euh, a déjà rempli les conditions qui sont là. Donc là, il faut passer à l'autre. Qui Qui, ça prend des palais Il va pas mettre ça là. Zao. Zao, ça prend des gouverneurs. Donc il va mettre son gouverneur à cet endroit-là. Tout simplement. Voilà. Donc c'est à mon tour. Euh, ça ou ça, on a promis on va commencer par faire un gouverneur. Moi. Ouais. On va commencer par faire un gouverneur juste ici. Donc, pour faire un gouverneur, pour faire un gouverneur, je dois prendre trois officiels différents les défausser. Je prends l'un de mes gouverneurs et euh, je réduis dans cette région-là de 3. Mais il va tomber de 0, on s'entend. Et je le mets sur une des cases de bonus que là. Donc, euh, moi, je vais le mettre ici. Je vais me faire un soldat de terre cuite supplémentaire, tout simplement là. Je pense à ça, on va les mettre couchés. Ça va être plus... Euh, plus vivant, on va dire ça comme ça, ou plus effi et plus euh, plus imagé pour vous. Euh, donc ça, 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 ça. Excellent. Donc, euh, puis jai d'autres choses à faire? Non. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Donc, c'était lui. Alors, ça va être sa sixième action. Il avance de 3 sur la piste ici. 1, 2 et 3. Et là, il vient encore de dépasser euh, un truc. Donc, il n'y en a pas zéro. Donc, il va placer une carte d'alchimiste sur la région de Oui. Il ne peut pas. Donc, on passe à ça ici. Donc, il prend un soldat de terre cuite et le place à l'entrée de la mausolée. Et voilà, du mausolée. Et c'est à moi pour la fin de cette deuxième manche. Euh, bon d'accord 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 d'accord. Alors là je voulais faire ça. Ah oui tantôt en faisant un gouverneur j'avais dans dans je, pensais, non, je me suis complètement oublié de faire ça. Bref euh, je vais faire le le palais donc je vais me faire un palais. Je vais faire le palais à ou Donc ça me coûte ça ça ça. Donc, je le fais à chou ici. Tout simplement. Donc, là, je ne peux pas prendre la tuile parce qu'il n'a plus. Euh, C'est aussi simple que ça. Je me fais 6. Je tombe à 12. Et euh, je peux prendre un de ces, euh, ces trucs-là. Celle-là, ça me ferait 3, il y a déjà 3. Euh, ici, il y a 2. Moi, ça me ferait 3. Ça, ça, je place une carte alchimiste, ce qui serait une bonne idée. Donc, voilà. C'est celui-là que je vais prendre. Excellent. Donc, euh, on est fini. Alors, on regarde pour les soldats de terre cuite. Alors, ici, c'est pas rempli. Là, il l'avait déjà fait. Ici, c'est pas rempli. Les murailles non plus, c'est pas fait non plus. Donc, euh, essentiellement, ben je crois. Oui, c'est ça. Donc, il euh, n'y a pas d'autres éléments qui vont changer là. Donc, on vient à la piste, donc les récompenses d'unification. Et là, on regarde. Donc, lui, il va dépenser essentiellement ses deux écritures. Moi, je vais en dépenser trois avec le gros ici. Donc, essentiellement, je m'en vais prendre celle-là. Là, et je peux placer une de mes cartes alchimistes comme je veux. Euh... Ouais. Ça va être celle-là ici que je vais placer. Ok, excellent, excellent. Donc, euh, ah oui, c'est vrai, lui tantôt il en prenait un là-dedans. Donc, il prend une carte comme ça, puis il le plaçait. Euh, il le place où donc Alors, euh, ici sur la piste, il est arrivé qu'il prenait un grand alchimiste. Mais là, je veux juste savoir où il place le grand alchimiste quand ça arrive. Euh, où le place-t-il Ok, c'est pas là. Oup. OK. Quand le bateau de Lycie atteint au départ un grand alchimiste, il prend une carte maître alchimiste au, grand, au hasard. Il l'ajoute à ses cartes alchimistes. Donc c'est la prochaine qu'il va jouer essentiellement. Donc on va la mettre de côté, mettons, juste ici. Voilà. Ok, euh, donc je continue. Donc, on est rendu à la piste ici. Donc, lui, il va donner 3. Et moi, ben, je ne donne rien, puisque je ne peux pas le battre de toute façon. Alors, essentiellement, c'est lui qui remporte celle-là. Donc, il avance de 4. 1, 2, 3. 4. Donc, en dépassant ça ici, alors, il place sa carte de grand alchimiste. Euh, ça serait à oui, donc essentiellement, ça va être à Zao. Euh, par la suite, c'est tout. Essentiellement, c'est pas mal ça. Oui, exactement. Donc, euh, il a juste placé sa carte d'alchimiste, tout simplement, à Zao, juste ici. Ok, parfait. Donc, là, on arrive au dernier. Le dernier, lui, il n'y en a pas. Moi, j'en ai un. Heureusement, donc, je peux gagner celle-là je gagne deux ouvriers à oui comme ça et euh, ben essentiellement on continue donc première deuxième position ensuite moi j'en ai pas trois lui il y en a pas trois on a pu les cartons de deux on tasse la manche et on est rendu à la manche numéro trois donc essentiellement donc, on va piocher nos cartes. Donc, on va piocher les cartes de l'ici en premier. 1, 2. 1, 2. Et les miennes. 1, 2. 1, 2. Et 1, 2. Voilà. Donc, on va les manger, celle de l'ici, tout simplement. Donc, lui, il commence à avoir un méchant paquet, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc, on place cela. Et c'est euh, encore l'ici qui commence. Donc, il va avec sa première action. Alors, il place une carte. Donc, euh, si on regarde, c'est chu ou oui. Donc, ça va être chu parce que c'est l'endroit où il n'y a pas de troisième carte. Donc, je prends la carte qui est ici. Je place ça tout juste ici au-dessus. Il se fait trois monnaies. Alors, c'est quand même assez important. Et là, moi. Là, je regarde mes possibilités. Ok, on pourrait faire ça. On va y aller avec. Mmh. Oh là là, attendez un instant. Euh, on va y aller avec. Bon, ça, ça risque d'arriver un petit peu plus souvent. Donc, je vais placer ça ici de même, ce qui va me faire un d'écriture. Simplement. Alors, c'est à son tour. On prendre juste la première carte. Hein? On s'entend. Donc, il va déplacer son bateau de 1 sur la piste. Essentiellement, c'est ce qu'il fait. OK. Là, il euh, faudrait peut-être que je remplisse les conditions. Il montrer un... Alchimiste là. Donc, euh, ok. Je vais jouer la 55 sur le 109. Je vais me placer un alchimiste essentiellement. C'est-tu à oui que je voulais le placer euh, Chu. Hmm. On va commencer par Chu, tiens. On va le placer ici. Alors, je peux en déplacer un de un. On va déplacer là. Ensuite, euh, donc, en faisant un officiel, donc je réduis celui-là ici de 1. Et en faisant un officiel, je me place un alchimiste tout juste ici. Excellent. Parfait. OK. Alors, c'est elle ici. Alors, il place une carte, donc, soit à chu, soit à oui. Et là, vu qu'il ne peut pas le faire, il fait celle-là en bas. Donc, il place une de ces cartes-là sur le top du gouverneur, tout simplement. Et ça lui donne essentiellement un jeton d'unification de chaque type. Donc, il est rendu à 4 de monnaie. Un de loi et un d'écriture. Ok, 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 ok. Il est en train de me battre. plus là, ici. Oh, ça. Bon, C'est pas hyper intéressant, là, comme. Euh... Oh oui, je me suis fait. Donc, là. Euh, je pourrais me faire un gouverneur à CHU. je pense que c'est ce que je vais faire je vais faire un gouverneur à choux là c'est 65 je vais prendre celle là donc je me fais un gouverneur juste ici donc je prends un gouverneur là et je le place à chu. Je vais le placer là. Et donc, je peux déplacer de trois mes euh, officiels. Donc, lui, il va faire un, 2, 3. Il va aller à Yann. Ou oh non, il va arriver à qui, tiens? Je pense que ça serait mieux. Zao, 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 Zao. Qu'est-ce que ça prend donc Ah oui. Il va aller à Zao ici de 1, 2, 3. On va y aller comme ça. Je pense que c'est le mieux que je peux faire. Excellent. Et donc là, j'ai placé un gouverneur, hein? c'est ça Donc j'ai placé un gouverneur là. Des places de 3. Genre, je peux en déplacer un de un encore. Voilà. Et euh, donc, j'ai fait un gouverneur. Je peux déplacer mon bateau de un. Bon, c'est pas euh, sensationnel, mais quand même, c'est ça. Alors maintenant, il va faire un palais. Donc, région de Yann, il l'a déjà fait. Qui? Alors, il va le faire à qui? Juste ici? Donc, il remporte cette petite chose-là et il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. C'est à mon tour. Il la 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 là la. la. Qu'est-ce que je fais, mes amis? Donc, je pourrais faire un autre gouverneur, mais à Zao. Puis... À ce moment-là, je pourrais libérer ça. Donc, c'est ça qu'on va faire. Euh, gouverneur, ça faudrait qu'il soit en bas de 30, mais j'en ai pas. C'est pas grave. Bon, on va prendre celle-là. Tiens. Donc, je fais un autre gouverneur tout juste ici. Comme ça. Donc, je me fais un gouverneur à ZAO. Je vais le placer ici. C'est-tu à oui qu'il fallait que je fasse des palais après? Euh, ou à qui qui serait peut-être plus intéressant? Alors euh, hmm, Je peux le déplacer de combien? de un chaque. Est-ce que ça vaut la peine? C'est une bonne question. Donc, euh, on va déplacer un là. Tout simplement. Je pense qu'on va garder ça comme ça. Donc, j'ai fait mon gouverneur là. Donc, euh, je ne peux pas, vu que c'est plus, euh, plus haut et non pas plus bas, donc je ne peux pas faire ça et déclencher euh, les trucs qui sont là. Malheureusement, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ta, ta, ta. Ah oui, puis je réduis... Tantôt, j'ai fait ça à... Non, pas à oui. C'était... Bon, à Zao ici, il ne peut pas descendre non plus. Donc... Euh... Bon, essentiellement, c'est ça. Donc, c'est à son tour. Donc, il va faire une muraille. Il l'a fait, bien sûr, sur le 2, juste là. Voilà. Donc, il va pouvoir aller chercher, je crois, celui-là ici qui vaut 7 points. C'est pas rien, quand même. Là, moi, je vais réussir à faire Zao. Ça aurait été intéressant que je réussisse à faire Chu. Donc. Ouais. Je vais jouer ça. Oh, Allons-y comme ça. Descendre de 2, hein, c'est ça. On va faire ça là ici. Alors, ça me coûte... Ça me coûte 2 ici d'agitation. Et euh, je me fais 3 jetons d'unification de loi. Bon, il faut quand même que j'en gagne une à quelque part. Ça serait intéressant. Donc, c'est à son tour. Ouais, c'est à son tour. Donc, il va jouer une autre carte. Donc, il va faire un autre palais. Donc, là, il va faire ça soit à chu. Est-ce que ça y en prendra un autre à chu Non. Est-ce que ça y en prend un autre à oui ben, justement, il ne l'a pas à oui, donc il va le faire à oui. Il va prendre ça ici, va mettre ça là, gagne 6 points. Donc, il est rendu à 29. Et il prend le premier qui est juste là. Alors, essentiellement, il va en avoir 3. Ça là, je pense que je ne la gagnerai pas la première. c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. OK. Excellent, donc c'est à moi. Euh... Là, je pourrais... Je vais faire un officiel. Je vais être un alchimiste qui va aller là. Lui, il va se déplacer ici grâce à ça. En faisant l'alchimiste, ça ici, ça baisse de 1. Ici, il y a un alchimiste qui va apparaître. Essentiellement. C'est pas mal tout. OK, parfait. Donc, on a fini la troisième manche. On est rendu euh, au euh, soldat euh, de terre cuite. Donc, est-ce que lui, il remplit une des conditions suivantes? Donc, celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, il l'a déjà rempli. Il va remplir celle-là ici. Donc, il fait 7 points supplémentaires. Donc, il est rendu à 36. Donc là, je vais me déplacer. Je n'ai pas le choix. Et voilà. Donc, il est rendu à 36. Euh... Donc, il est rendu à 36. Il va prendre le 2 qu'il là. comme s'il n'avait de besoin. On s'entend. En Puis, c'est pas mal ça. Voilà. Donc, c'était son axe acc... Ah non. Il n'y avait pas d'autre acc... Euh Non, on n'était pas rendu là, tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Rapport à part. Pas du tout rapport. Reviens ici, là, je suis complètement mélangé. On était rendu euh, au... Euh, oui, on était rendu euh, à... faire les jetons. Alors, euh, j'étais en train de... 1, 2, 3, 4. Attends un peu. Non, il se rendait jusqu'à là. C'est ça. Donc, il a fait 7. Mon dieu, je suis mêlé. Les... Donc, c'est à mon tour. Moi, j'ai rempli les conditions de Zao. Donc, je vais me faire 6. Votre humble serviteur était mélangé un petit peu, je pense. Donc, est-ce qu'il remplit un autre condition? Il n'a pas rempli celle-là de qui? Il n'a pas rempli celui de oui. Ni de chu. Ni celle-là. Donc, il n'en remplit pas d'autres. Moi, est-ce que j'ai rempli un autre? Je ne l'ai pas encore rempli, mais je suis sur le point de le faire. Oui non plus. Non, j'en ai pas rempli d'autres. Donc ça se termine là pour la manche 3. Alors, petite gorgée de celui qui est en train de perdre. Alors j'ai changé un peu ma stratégie, puis j'aurais peut-être pas dû. Alors essentiellement, on y va pour les jetons d'unification. Donc on y va avec son gros 3 d'écriture. Donc j'essaye pas de le battre essentiellement. Donc euh, il s'en va... Ouais, excusez. Alors il s'en va placer un gouverneur. Soit à chu ou à oui. Oui. Donc il va faire celui de oui. Ensuite, euh, pour le deuxième, donc on s'entend qu'il dépense un gros 1, 2, 3, 4. Donc moi, j'en ai pas assez, donc ça va être encore lui qui va le gagner. Euh, non, en passant, c'est vrai, lui, il ne passe pas de gouverneur de cette façon-là. Il fait juste euh, prendre la, la, la place. Et euh, pour l'autre, mais essentiellement, lui il dépense un, moi, je vais dépenser juste deux. Et ça va me permettre d'aller chercher les 3 moins 3 qui sont là. Donc essentiellement, je vais faire baisser celle-là. Je vais faire baisser celle-là. Et je suis à zéro partout. Donc, ça revient dans le même par après. On est rendu essentiellement au. Euh, ah oui, c'est vrai, je pouvais dépenser, mais je ne le ferai pas. Donc, on est rendu à la quatrième manche. Quatrième manche qui va, euh, j'espère, bien se dérouler quand même. Pour moi, bien sûr, malgré que je suis pas en position de gagner nécessairement, c'est le hic, c'est le gros problème. Donc, on va donner deux cartes comme ça ici, deux cartes à moi. Ensuite, ces deux cartes là ici, deux cartes à moi. On va donner deux cartes comme ça ici, deux cartes à moi. On va essayer de replacer mes piles. Donc, la défausse qui est tout juste ici. Que ce soit un peu plus droit, un petit peu plus présentable quand même. On a remélangé ces cartes-là ici. Ces cartes-là, il faut les mélanger par la suite. Donc, là, ça commence à faire un bon paquet. Oups! Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez que j'ai fait une petite erreur dans le jeu. C'est très possible. Je ne suis pas parfait, je suis tout à fait humain. On s'entend. Et voilà. Donc, c'est lui en premier, toujours. On y va. Oups. Donc, il fait avancer son bateau de 1. Un... Voilà. C'est à mon tour. Bon, on va regarder les cartes que j'ai. Puis là, on va essayer d'aller chercher le maximum de bonus possible. Donc, on va essayer d'aller chercher Chu. Donc, il me faut faire un gouverneur. Donc, ça me faut une carte en bas de 87. C'est celle-là. Ça me permet de faire un gouverneur tout juste ici. Donc ça ferait baisser ça, on s'entend. Donc je m'en vais la placer. Là, ça me permet de faire un point de victoire par 4 que j'ai placé ici. Donc, ça fait deux points de victoire. Et euh, vu que c'est en bas, donc je peux en déplacer un. Juste là. Euh... Voilà. Puis là, vu que j'ai fait un gouverneur, je déplace mon bateau de 1. Et c'est tout. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, c'est à lui. Il déplace son bateau de 3. 1, 2. 3. Donc, il va remplir la condition qui est ici, malheureusement pour moi. Euh, donc, euh, il n'y en a pas zéro. Donc, il va placer une carte d'alchimiste. Donc, celle du grand alchimiste. Il va la placer dans la régi région de Zao ou de qui? Donc, il va la placer dans Zao vu qu'il reste encore de l'espace. Juste là. Et voilà. Donc... Euh, c'est ce qu'il faisait pour son action. En ce qui me concerne, ça ne va pas nécessairement super bien encore. Il faudrait que je fasse avancer mon bateau. Là. Ça peut-être intéressant. Donc c'est ça que je vais faire. Faire avancer mon bateau. Alors, de 3. 1, 2, 3. Euh, je peux jouer une carte d'alchimiste si je veux. Donc je peux la placer ici vu que j'ai un alchimiste. Donc je vais placer... Hmm. Je vais placer ça là ici. Ouais, je pense que ça va être pas mal ça. Alors c'est à son tour. Ah, excusez. Euh, là, je peux en déplacer un de un. Je ne le ferai pas nécessairement. En faisant le bateau, est-ce que j'ai quelque chose qui se passe Non, pas du tout. Donc, euh, ça s'arrête là. Alors, euh, c'est à lui. Alors, il place un gouverneur, soit à Yann, à qui À Zao. Donc, euh, Yann, ça ne sert à rien. Qui euh, Ça n'en prend-tu Non. Zao. Zao. Oui. Alors, il va aller chercher le bonus que là. C'est ça que ça veut dire. Donc, voilà. Ce coup-ci, je ne pense pas que je vais le battre. Ma stratégie n'était pas nécessairement la meilleure. C'est vrai, ici, ça descendait de 1. Il ne faut pas oublier. Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On va y aller comme ça. On va aller chercher. Ah, oh, mais non, je ne peux pas le faire. Oh, ça, c'est tannant, par exemple. Bon, je vais aller me faire deux ouvriers avec ça ici. Euh, non, pas deux, deux ouvriers. Je vais aller me faire un, euh, un officiel. Donc, je vais mettre un général. Euh, je vais mettre un général. Euh... Ah oui, tiens. Non. Je, je vais aller chercher. À qui Je vais mettre un général à qui Non, je vais mettre un général à Zao. Oui, je vais mettre un, un général à Zao. Donc, euh, là, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, parce que pour la plus bonne raison que la carte que j'ai viens de placer est plus haute que celle qui est en dessous. Donc, euh, je n'ai pas d'action supplémentaire. Alors, lui, il place une carte, donc euh, il va la placer soit à Zao ou à qui donc, il place une carte à Zao ou à qui? Donc, à Zao, il reste de l'espace. Il va se faire euh, trois monnaies. Oh là là! Il me semble ça ne va pas bien, mon affaire. Ça va pas super bien. Alors, je vais placer celle-là ici. Je vais aller chercher deux... Deux ouvriers comme ça. Donc, j'ai deux ouvriers ici. Ça, ici, ça augmente de 1. Je peux en déplacer un de 1. Déplacer là. Ou à Zao. Zao, 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 Zao. Euh, Zao, c'est quoi que ça prend? Donc, ça prend deux gouverneurs. Okay, lui va se déplacer ici. Ouais. Puis là, en faisant un officiel, je peux en baisser un de 1. Finalement, c'est n'importe où, ce que je peux comprendre. Euh, non, ça doit être à cet endroit-là. Ça part à part. Donc, si je place un ouvrier supplémentaire et ici, je place un alchimiste. Ok, excellent. Donc on va essayer de passer au travers. C'est euh, douteux, mais bon. Donc il va placer encore une carte. Donc il va soit dans Zao ou qui. Donc on s'entend que Zao est complet. Donc va aller à qui et il va se faire une écriture. Ah là, là Bon. Là, ici, je l'ai rempli. Là, c'était déjà fait. Là, il faudrait que j'aille chercher d'autres bonus ailleurs. Pour faire les murailles, ça prend ça. Je pourrais aller faire un palais. Oui, bon, il me manque un autre officiel. Donc, je vais aller faire un officiel qui va être un architecte. Euh, qui va apparaître tout juste ici. Donc je le bouge pas, on s'entend. En faisant cet architecte-là, je m'en vais débloquer ça, on s'en fout. Ça, il y en a un autre qui apparaît là. Et j'ai un autre alchimiste qui apparaît tout juste ici. En fait, cet alchimiste-là, je vais le déplacer là. Euh, je, je pouvais de toute façon. Fait que voilà. Donc, c'est à lui. Donc, il va faire un palais. Donc, il le fait à Chou en premier. Ça vaut-tu la peine? Ça vaut pas la peine. Ensuite, il va le faire à oui. Est-ce qu'à oui, ça vaut la peine? Euh, oui, 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 oui. Non. Parce qu'il a déjà un, puis ça en prend juste un. Ensuite, il va le faire à Zao. À Zao, est-ce que ça y prend ça? Non. À qui? Donc, qui, oui, effectivement. Donc, il peut s'en faire un deuxième. Donc, il va pouvoir aller chercher le bonus que là. Ensuite, il se fait 6. Donc, il passe de 39 à 45. Donc, on prend le 40 que là et on le met ici, tout simplement, pour s'en rappeler. Et il va prendre ça ici. Voilà, comme ça. Donc, c'était son action. Ça va mal ben à la chope! Donc, on va construire un palais. À qui ça va-tu valoir la peine? Je vais me faire juste 4 points. Ah, mon dieu. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ça va pas bien, mon affaire. Je pourrais, je pourrais, je pourrais faire un mur. Je vais, 1, 2, 3. Oui, je pense que c'est ça qu'il va faire. Donc, on va faire plutôt un mur. Donc, euh, je vais en faire un de niveau 3. Donc, 1, 2, 3. Il faut que ça soit de trois places différentes. Donc, je prends le mur et je le construis sur un espace 3 à l'endroit de mon choix. Euh, ouais, ok. Oh, ça, c'est intéressant. Euh, on va faire ça ici. Prendre ça. Je vais le mettre tout juste là. Donc en faisant un mur, je me débloque pas de, de trucs. Par exemple, je peux en déplacer un de un. Donc lui. On va se déplacer à qui? Ouais, on va y aller comme ça pour on verra qu ce que ça va donner. Donc, euh, ça, 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 c'est fait. Parfait, excellent. Donc, euh, tout va bien de ce côté-là. Enfin, je crois. Par la suite. Euh... Hum. Non, ça va être celle-là finalement. Et oui, ça ne change absolument rien, mon affaire. Si j'allais à celle là, non. Finalement, je vais euh, remettre ça là. Ça, je vais plutôt le mettre euh, ici. Ici. Prendre la première tuile que là. Puis elle, on va la placer. On va placer ici, tiens. Je ne sais pas si ça va être vraiment utile, mais enfin, c'est pas grave. Donc, euh, OK, ça c'est fait. Donc, je vais m'avoir libéré ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, moi, j'ai fini. Alors, on passe finalement au euh, soldat de terre cuite. Alors, c'est lui en premier qui va chercher celui qui va l'avantager le plus, à qui c'est 7 points. Yann l'avait déjà fait. Zhao, ça y donnerait juste 3 points. Euh, ici il ne l'a pas fait, ici il ne l'a pas fait. Donc essentiellement, il va aller chercher celui de qui? Donc il va être rendu à 52 points. Et moi, ben là, j'ai choix. Soit que je m'en vais chercher celui-là, là, qui va me donner juste 3 points. Soit que je m'en vais chercher celui de Chu qui va me donner 9 points. Donc je pense que ça va être ça. Donc 9 points, on est rendu à 29. Donc on traîne beaucoup de l'arrière, on s'entend. Donc on arrive à la piste. Euh, une fois à la piste, ben, tout simplement, essentiellement, lui il dépense ses trois ici. Moi, je ne dépenserai rien. Donc s'en va juste là. Ensuite, lui il va dépenser ses trois. Moi, je ne dépense rien. Alors essentiellement, il s'en va là. Et euh, ensuite... Ensuite, ici, il n'y a rien. Moi, je pourrais dépenser quelque chose. Je vais dépenser un de loi. Ce qui me permet d'aller me placer une muraille à l'endroit de mon choix. Celle Là, celle-là, je pourrais le commencer. Donc, je vais le mettre ici, tiens. Ouais. En espérant que ça me permette peut-être de gagner. Donc ça s'en va là. J'en ai pas trois. Non, 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 non. Donc euh, on n'a pas de deux à retourner. Euh, la manche, on est rendu à la cinquième manche et à la dernière. Donc petite chute de thé glacé. Et on finit ça en grand. Donc, euh, on est rendu à prendre les cartes. Donc, on y en donne deux, comme ça, deux à moi. Deux, comme ça, ici, deux là. Deux, comme ça, là, deux là. Ok, parfait. Donc, euh, on est prêt. Donc, c'est toujours lui qui commence en premier. Donc, on va continuer ce, euh, euh, cette partie qui va me détruire complètement, on va le dire. Donc, il reste toujours de la place sur euh, le mauve ici. Donc, il va aller chercher celle-là. Malgré qu'il l'a déjà rempli. Donc, il va aller dans le bleu. Donc ça, on va chercher le 1 qui est ici. C'est ça. Donc, essentiellement, c'est ce qu'il va faire. C'est à mon tour. Faudrait peut-être pas y laisser. Euh, ça, pour construire une muraille, par contre, là, j'ai pas assez d'ouvriers. Oh mon dieu. Je pourrais me faire un palais acquis, par exemple. Puis qui, si je me vais faire deux palais, ça va me donner quatre, peut-être. Sinon. On pourrait tenter d'aller chercher des bonus de cette façon-là. Donc, je vais faire ça ici. Ça va me donner trois. Comme ça. Et ça, ça augmente de 2. Bon, ça, c'est la contrepartie qui n'est pas, euh, pas comique, mais que voulez-vous? C'est la vie. Donc, on continue. Alors, lui, il va se construire un autre palais. Donc, le dernier qu'il peut construire. Euh, D'ailleurs, javais avais -tu donné. Ses... Oui, oui, j'y avais donné. Donc, à Yann, ça y sert à rien. À qui? Ça y sert à rien. À Zao. Ça ne sert à rien. À oui. Ça ne sert à rien. Et à Chu. Ça y sert à rien. Donc, essentiellement, ça, ça veut dire qu'il place un autre à Yann. Il va faire quand même 6, 6 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh mon dieu, c'est ma... la partie la plus. Euh en train de me faire avoir complètement oh là là. si je pourrais me faire un gouverneur acquis, ça ne me pas grand chose. Euh là là. Est-ce que je continue à placer des cartes pour aller chercher les bonus que là? Ce qui serait peut-être une bonne idée. Euh, je vais placer cette carte là de 0 juste ici. Ça va me donner deux comme ça. Ça augmente de un. Alors c'est à lui. Donc il place une carte. Là, on s'entend que dans cette, il y a pas de région, donc je vais dans l'ordre. Bon, essentiellement, il place sa carte ici. Il se fait, Oups, ça, ça va pas là. Donc deux monnaies. Donc ça, il l'a joué. C'est à mon tour. Est Ce qu'on maximise le plus possible, puis euh, ça va finir là pourrait placer ça là ici, je vais me faire deux lois ça ça augmente de un Alors, je remélange ces cartes Ah, il place une carte selon son désir, donc essentiellement où est-ce qu'il est rendu. Donc, il va placer cette carte-là. Là. Il va se faire trois de loi Il est en train de me dépasser pour celle-là, ce qui n'est pas super cool. Donc, on va placer celle-là ici. Je me fais un, deux, trois lois. me fait trois lois. J'augmente de deux ici, comme ça. Ensuite, il fait une muraille. Il va la faire ici. Tenter d'aller chercher ce bonus-là. Euh, bon, ça, je le dépasse. Ça, je le dépasse. Ça, je le dépasse. Je pourrais peut-être faire ça. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais aller me chercher d'autre? Euh... Soldat, je vais pouvoir aller me chercher. Il faudrait que j'avance mon petit bateau. Ouais. Je vais avancer mon petit bateau de 3. Alors, 1, 2, 3. Je vais placer un de mes soldats de terre cuite. Tout juste ici. Et je vais prendre une carte de grand alchimiste que je rajoute dans mes cartes d'alchimiste. Pour qu'est-ce que ça donne. On s'entend. Et euh, sa dernière action, ça va être de placer un palais. Donc, quand il peut pas, s'il peut pas, est-ce que je dois piger une autre carte ou on ignore son action comme s'il avait passé? Alors, comment jouer, piocher. Euh, mélanger les faces cachées. Bon, des 8, 2, 4. Bon. Jouer des cartes. OK. Bon, bon s'il existe plusieurs. Hein, hein. Ok. Installer un gouverneur... Bon, construire un palais... Ouais, mais si j'ai encore cette même carte-là... Ça veut tu dire qu'il ne le fait pas? Ok, comment jouer? L'ici a un de plus il effectue. Au début, bon mélanger, les joueurs jouent leurs cartes à tour de rôle en commençant par le premier joueur, comme dans les parties multijoueurs. Lorsqu'ils sont autour de l'ici, piochez la première carte de son deck d'action, résolvez-la et placez-la dans sa défausse, Voir plus bas dans une explication détaillée. C'est pas indiqué. J'ai beau chercher, moi je dis qu'il passe. On va jouer de même. <coughs> Donc il passe son tour tout simplement. C'est comme s'il si disait, bon, mais finalement, j'ai n'ai plus rien à jouer. Donc, euh, moi, je vais jouer ma dernière carte de la façon suivante. Je vais jouer ça. Ouais. Si je fais ça, je peux pas. Ben, techniquement, non, je peux la faire la faire donc je vais la faire hein. c'est des, des points quand même je peux aller me chercher donc je vais faire une muraille donc une muraille de niveau 2 ah non c'est niveau 3 faut que je fasse ah non c'est pas vrai ah ok est ce que c'est ça que je fais ou bon, on va me construire un Palais à qui? Ça va-tu vraiment me servir à quelque chose à part de me faire six points? Parce que là, je vais remplir les conditions de. Oui, je ne les remplis pas. Chu, je l'ai déjà fait. Ça, je ne le remplis pas. Qui, je ne le remplis pas. Zao, je l'ai déjà fait. ça là je ne le remplis pas. Lui en haut, je vais le remplir. Ça, ça m'en prenait un. Yann, je ne le remplis pas. Puis celui-là, je ne peux pas le remplir. Donc, je n'ai pas besoin de d'autres soldats. Ça, c'est sûr. Donc, on va y aller comme ça, mon ami. Hein? Donc, euh, on va prendre cette carte-là. Puis, on va... Quand j'ai bougé mon bateau, ça ne me donnait pas de bonus. Là, il faut vraiment que j'aille maximiser mes points. C'est important me dépasse nulle part fait que moi je vais pouvoir faire c'est au pire ici si ça va me donner 3 points si je fais ça si je fais celui-là c'est deux fois les cartes vertes que j'ai ça va me donner 8 points quand même bon, je pense que c'est ça que je vais faire donc je vais faire effectivement une muraille de 2 je vais la faire juste ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'était ma dernière action. Alors, on continue. Donc, les soldats de terre cuite, il y a juste moi qui en a. Donc, j'ai rempli les conditions de celle-là là-bas. Je pourrais faire ça. Ici, je ne l'ai pas rempli. Je l'avais rempli nulle part ailleurs essentiellement. Donc, je m'en vais simplement me faire trois points. Donc, un, deux, trois. Ce qui n'est pas extrême. Et c'est vrai, euh, je viens de penser à ça. Il y a un général qui descendait ici. Ça, ça ne pouvait pas se faire. Et c'est tout. Okay. Donc, euh, je continue. Euh, donc, euh, ça, c'est fait. Euh, ensuite, on va pour les pistes, pour la récompense d'unification. Donc, le premier, lui, il n'y a rien. Moi, je dépense un. Et voilà, les amis, c'est moi qui Donc, je peux placer un palais à ma guise. Pour euh... bon, qu'est-ce que ça va changer? On va le placer ici, mettons. OK, ensuite, le deuxième, lui il dépense 2, moi je dépense 3. C'est moi qui le gagne. Donc, je prends un de mes soldats de terre cuite ici. Je le mets là. Et là, il faut juste je me rappelle c'est n'importe où que je peux le placer grâce au petit symbole ici avec le, le crochet. Je pense que oui, mais je vais juste vérifier pour être sûr. C'est débloquer un soldat de terre cuite, placer un de vos soldats de terre cuite débloqué sur n'importe quelle tuile mausolée où vous n'avez pas encore placé, peu importe si vous... Blablabla. OK. Donc, j'ai pas besoin des prérequis. Donc, j'en ai un à 6, un à 7. Ouais, c'est celui à 7. Je suis pas fou. J'augmente de 7. Donc, on est rendu à 39. Excellent. Et le dernier. Il dépense 3. Je dépense 4. Et essentiellement, c'est moi qui le gagne. Donc, je peux placer un gouverneur à l'endroit de mon choix. Essentiellement, je vais aller le placer à une place où c'est très avantageux. 1, 2, 3, 4. Je me ferai 4 points là. Là, ça ne me donne à rien. Ça, si je place mon maître alchimiste, ça ne me donne à rien. J'ai un autre 4 qui me donnerait quelque chose. Pas en tout. Ok. Cela, -là, cela, -là, cela, -là, cela. Bon, essentiellement, je vais le placer ici. Puis ça va me permettre de faire 1, 2, 3, 4 points supplémentaires. Donc, il va être rendu. rendu à 43. Et voilà. Est-ce que je vais réussir à le rejoindre Oh mon dieu! Donc, ça, on s'en fout. Donc, on peut échanger trois pour un soldat de terre cuite. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc, je vais en prendre trois comme ça. Prendre un soldat de terre cuite et le placer là, parce que ça donne des points en fin de partie. Il ne faut pas l'oublier. Euh, et, bon, ça doit retourner là. C'est bon. Et là, on est en fin de partie, donc euh, la fin de partie se, fi se fait ainsi pour moi et pour lui, ben, il y a des petites modifications là, euh, qui vont se faire, tout simplement donc premièrement, on en regarde où est-ce qu'on est, qu est rendu chacun, donc euh, on va remplir la petite feuille qui est tout juste ici donc euh, petite feuille que je vais mettre tout juste là, donc euh, on a ici et Stéphane Steph. Donc, l'ici, lui, a 58 points. Ici, moi, j'en ai 43. Ensuite, ici, euh... c'était quoi, là? Ah oui, ça donne 10 points. 10 points par quelque chose. On va retourner voir, je ne me rappelle plus. Donc, ça donne, ça donne. Bon, ok. Majorité de gouverneurs dans, dans chaque région. Chaque région est décomptée l'une après l'autre. Les PV sont donnés aux joueurs et possédant la majorité des gouverneurs. Le joueur ayant hein, le plus de gouverneurs dans une région gagne 10 points de victoire. Donc si, et quand c'est égalité, on se sépare en deux. Donc si c'est 5-5. 10-10. 10-20. Ah oh mon Dieu, c'est moi qui, qui en a plus. Alors, 10 et 20. Donc, là, vous ne le voyez pas, là. Donc, on le voyait très bien ici, c'était égal. Donc, 5-5, égal. Ça, ça donne 10-10. là, j'ai 10 points de plus de mon côté. Donc, 10-20. Donc, ça donne le décompte qu'on voit ici sur la feuille. Ensuite, euh, on doit regarder. Ah oui, lui, les gouverneurs, c'était 10-10 aussi, si je me rappelle bien. Oui, c'est exactement ça. Donc ensuite on doit regarder les cartes, les cartes alchimistes. Alors, c'est qu'est-ce que ça donne, ça, les cartes alchimistes? Donc, Ah oui, c'est ça. Donc, on regarde sur la piste ici. Donc, on regarde celui qu'on a dépassé. Donc, moi, j'ai dépassé le x1. Donc, j'ai une carte, deux cartes alchimistes. Ça me fait deux points juste ici. Donc, deux points juste là. Lui a dépassé le x3, je pense. Le x2. Fois x3, fois c'est ça. Donc, euh, puis lui, il y en a 1, 2, 3, 3, x3, 9. Exactement. Voilà. Donc, celui-là ici, on regarde les lignes. Donc, les lignes complètes, soit... Euh, soit euh, verticale ou horizontale, puis chaque ligne qu'on a de complète nous donne 10 points. Donc, il y a juste moins qu'une ligne verticale de complète qui va aller faire 10 points. Lui, ça va y faire 0. Ensuite, les murailles. Donc, en ce qui concerne les murailles, chaque 1 donne 2, chaque 2 donne 4 et chaque 3 donne 6. Donc, ça y donne 2, 6, euh, 2, 6, 8. 12. 12 points pour les muraille. Et moi, ça se calcule différemment. Essentiellement, c'est la position où je suis, si je me rappelle bien. Alors, pour des raisons de clarté, les murailles peuvent être décomptées dans l'ordre du tour. Quand une muraille est décomptée, tournez-la sur le côté pour vous en rappeler. Donc, essentiellement, si je ne me trompe pas, pour la première fois, 3. Okay, c'est les bleus. Ah, c'est ça. Exactement. Donc, euh, euh, moi, je les compte, ceux-là ici. Donc, moi, c'est ça, x3, essentiellement. Euh, c'est vrai, j'ai oublié de faire le bonus qu'il y avait ici. Ah, j'aurais dû me rajouter une carte noire. J'aurais dû, je crois. Attendez, là. J'essaie d'être sûr de mon coup. Parce que là, je ne veux pas faire d'erreur pour vous induire en erreur. Alors, muraille, 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 muraille. Donc, construire une muraille. Euh, ça, c'est bon. C'est le premier. Temps. Deux, deux, deux. À la fin, marquons des PV en fonction de la position de leur muraille et de comment ils réussissent à respecter les conditions de la tuile muraille associée. Voir l'annexe 2 pour une explication détaillée des tuiles murailles. Bon, on va aller voir ça. L'annexe 2, l'annexe 2, l'annexe 2. Bon, on a ça ici. Ok, donc, on va y aller avec celle-là. Alors, celle-là, c'est. Gagnez 1, 2 ou 3 PV pour chaque région dans laquelle vous avez placé au moins une carte monnaie. Ok, donc ici je gagne 3 PV par carte monnaie que j'ai placée. Donc j'ai 1, 2. Ça Au moins une carte monnaie. Non, c'est juste une fois. Donc je me fais 3 là. Ici, c'est 4 fois. Euh, pour chaque région dans laquelle vous avez placé au moins deux cartes du même type. Donc, euh, ça me fait 4, 8, 12. 12, même nous ici, 16. Oh mon Dieu, ça me fait 16 en tout. Aïe aïe. Et là-bas, ça va être chaque région où j'ai au moins placé une carte de même, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, j'ai deux, deux régions et des cartes de lois. Donc, ça me fait deux. Ça me fait 16 plus 4, 20. Donc, ça me fait 20 PV grâce à ça. Et là, ensuite, si on va voir ici. Donc, je vais me faire deux PV parce qu'il me reste un soldat de terre cuite dans l'entrée de la musolée. Ce qui n'est pas son cas. Et là, il nous reste à faire le total. Donc, allons-y.

Et donc, c'est une victoire pour votre humble serviteur, les amis, après une partie qui aura duré environ 1h30. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je suis vraiment content d'avoir gagné, d'ailleurs. Alors, comme vous pouvez voir, c'est quand même un jeu stratégique, on va le dire. Et, euh, bon, là, ça fait deux fois que je bats... Euh, Mr. ici euh, vert. Donc, euh, je vais l'essayer peut-être avec le jaune, celui qui est supérieur un peu. Donc, on verra si euh, je vais réussir à gagner cette fois-là également. Donc, euh, si vous avez apprécié un petit pouce en l'air, ça serait très, très apprécié de votre part. Euh, Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook ainsi que notre Discord. Allez également sur notre Patreon si vous voulez nous donner un petit coup de pouce au www.patreon.com barre oblique zone de jeu de société. Euh, également, allez visiter notre euh, commanditaire au euh, lapioche.com mon dieu ça va pas très bien ou encore aller directement à la pioche au 106 boulevard rené le ouest à Québec et d'ici là ben, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très 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 bientôt